Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ILM Hidden Living Ministry. C'est toujours avec vous, Boré John. Jodi a nous trouvé nous la Cule du Nord, côté que nous pouvons faire un lot de travail, une grande distribution des livres, tragédie des siècles, événements des derniers jours, la loi du dimanche. Nous connaissons Boré John toujours là, nous sommes capables de porter une image pour nous. Eh bien, jodi a après bien pile cause pour le passer dans la Cule du Nord, côté que nous étions sur le terrain, côté que nous pouvons faire grande distribution. Pas bien que c'est Radio Télévision d'Espoir, c'est lui-même qui patronne le programme là. Eh bien, Boré John est là pour capable porter image pour nous pour le suivre, pour nous commencer pour aller dans la cure. Ou même qui adventiste par été chita la carreau, en aller, en aller prêcher le message des trois anges pour que Jésus capable de retourner. En aller. Le de Jean. Issaka. Trois personnes dans Issaka. Vous qui avez des banderoles, depuis nous, nous sommes à nous parler. Par un message, banderoles, nous allons appuyer. Et puis, après, comme ça, et puis, il y a pas de message qui n'a pas de là. Visibilité, voilà, oui, si nous comprenons. On va tout faire ça. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas besoin d'entendre, puis nous qui avons besoin d'entendre, nous n'avons pas besoin d'entendre. Ok. En avant! En avant! Marche! À de nouveaux combats, Jésus nous appelle, et nous voici fidèles, prêtes à suivre. Amen.
content encore de privilèges bénis que nous gagnons après-midi. Pour nous, dans la zone lacune, pour nous porter un message trois anges là-bas. C'était les premières années de la création. Dans une même famille, deux petits garçons étaient en fait. Caïn avec Abel. Le péché était en existé, mais le mal, criminalité, pourquoi sous terre? Caïn, vagabond, Abel, monde de bien. Ils ont été affectés dans la même famille. Ils ont recevoir la même éducation. Ils ont mangé, même manger. Ils ont eu le même privilège. Mais pourtant, ils ont chaque bon tempérament. Ils ont un monde de bien, ils ont un vagabond. Moment est enfin arrivé. Côté Caïn, tu as tué Abel parce que Abel respectait la parole de Dieu. Depuis ce jour, criminalité lui prend place dans le monde et les hommes s'entretuent. Moun a tué moun, moun a mangé moun a grillé moun à cause du problème du péché. Mais bien aimé, Caïn vient tuer Abel et Caïn gagne l'audace pour le camper, pour la contester avec Dieu. On lui a demandé, bon Dieu, pardon pour péché, mais lui plutôt a contesté avec mon Dieu, a discuté avec mon Dieu. Bien aimé, attendez ça. Depuis où voyons monde, ou pas voulez respecter la parole de Dieu, c'est parce que vous marchez sur route Caïn. Caïn toujours un gros discours. Caïn toujours gagné gros exercice pour le faire en face de Dieu. Caïn a toujours besoin de naturel, ça, bon Dieu dit. En plus, l'année passée, après, bon Dieu finit de parler à Caïn. La Bible dit nous dans Genèse 4, verset 16, Caïn dirigeait vers l'est. Pour qui ça, Caïn allait vers l'est? Pour qui ça, il va aller vers l'ouest ou bien était vers l'ouest? Le pays le plus à l'est, c'est l'Égypte. C'est là que Caïn a fait base. Nous connaissons que l'Égypte, c'est un pays qui est satanique. Nous connaissons que l'Égypte, c'est un pays qui est satanique qui gagne. C'est un pays, tout ça, bon Dieu dit, il est toujours comme en face. C'est ça qu'il faut, après un pile l'année passée, depuis la Genèse, bon Dieu va sabbat comme jour de repos, le septième jour de la semaine, après de longues années. Nous voyons un jour qui vient pointer à l'horizon, qui c'est dimanche. C'est peut-être ça qu'on était allé à l'est, le pays du soleil levant. Et quand le côté soleil a levé, c'est ça qu'on voit, c'est Dieu soleil, le Dieu Ra, que vous vénérez dans le pays ça, parce que tout l'autre Dieu. Bien-aimé, en tant que nous vivons là, nous devons comprendre nos bagailles. Ce soir, on fait la volonté de Dieu. Ou bien on fait la volonté de Satan. Pas qu'il y a une troisième alternative. C'est Dieu ou Satan. C'est ou bien dans le dernier temps, on parle marqué du sceau de Dieu, qui c'est le sabbat du septième jour. Ou bien on parle marqué de la marque de la bête, qui parle dimanche, lorsque on parle forcer tout le monde sous terre pour adorer un seul jour de repos, qui parle dimanche. Et comme la Bible t'a annoncé nous, d'après Galates 4, verset 4, il est dit. Lorsque les temps étaient accomplis, Dieu envoya son fils dans le monde, né d'une femme, né sous la loi. Le moment est arrivé, Jésus fait. Jésus vit sous terre, il grandit, il mourit pour nous sur la croix. Il pas jamais dit un jour, il n'a fait aucun changement dans la Bible. Au contraire, il dit nous dans Matthieu 5, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est qui ça accompli, vous l'avez dit. L'on accompli un bagaille ou rendu plus belle ou perfectionnel. Si vous bâti un caille, tout le caille là pour quoi fin rendu pour le peinturer ou mettre tout ça caille là gagné, caille là pour quoi accompli. C'est vous qui habitez là-dedans, mais le pourquoi accompli. Les Jésus mourir sur la croix, il parfaire la loi. La loi accomplie. Ça veut dire qu'on ne peut pas retirer un iota dans la loi. C'est observer les 10 commandements de Dieu. Jean le bas roulant, sont pas retirés, sont pas mettés. Et c'est ça qui fait que, après la mort de Jésus, Jésus montait dans le ciel.
li kite disciple pour continuer prêcher l'évangile là pour que belle église là à la gros privilège ça papa viens nous les hommes pour mon Dieu nous privilège pour n'a diriger l'église pour n'a coopérer à Dieu dans l'œuvre du salut des âmes. Mais bien-aimés, c'est peut-être ça. L'apôtre Jean, le voyant de Patmos, dernier disciple qui était vivant, parce que la Rome t'a mangé tout l'autre disciple, parce que la Rome pas de blé pour te connaître la vérité de Dieu. La Rome mangeait, il mangeait Pierre, il mangeait Jean, il mangeait Jacques, il mangeait tout disciple, parce que t'a pas eu un message. Il t'a dit, souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni vous-même, ni petit tout, ni étranger que la caillou. C'est pour nous observer ça bas. Et comme on s'est observé dimanche, premier jour de la semaine, il mangeait tout disciple. C'est pour que ça, c'est agent, le dernier disciple vivant, que mon Dieu m'a le livre de l'Apocalypse. C'est pour que ça aussi, dans l'Apocalypse 14, Jean dit, ouais, 3 anges qui a volé, qui gagnait, combien l'évangile? Non, évangile. Un seul? C'est évadé? C'est pas 50? Non. L'évangile éternel. Pour l'annoncer à qui est? Aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car le jugement est venu et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sous-jugements. Alléluia. Premier ange, retournez-nous à la création. Deuxième ange, ça t'a dit encore. Elle est tombée, Babylone la grande. Babylone la grande. Oh, Babylone tombée. Babylone, c'est ça qui est la confusion. Son paquet d'enseignement à l'église. Il y a du dimanche, c'est jour consacré au repos et à la prière. Il parle qu'il n'y a aucun côté dans la Bible. Et pendant que je parle avant la Bible, mais si vous avez ouvert une Bible, vous montez un côté du dimanche, c'est jour de repos, je vais $1,000. $1,000. Et si vous fâchez, je vais augmenter l'argent. Pour montrer que nous qui verset dans la Bible, nous disons la Bible, bon, doit pour observer dimanche comme je veux. Son mensonge, c'est ça, les Babylones. C'est un mot qui est la vérité. Il y a 10 000 mentis. C'est ça que le deuxième ange m'a donné pour sortir dans Babylone. Parce que Babylone va tomber. Et troisième ange, qui message de paille? Si quelqu'un adore la bête et son image. Je viens de la foi de Dieu. Mais bien aimé, si vous êtes dans le dimanche aujourd'hui, si vous êtes dans le dimanche aujourd'hui, dis bonjour à la matière. Et que vous devez être à vous, nous dit qui crée pour bon Dieu parce que le jugement lui
craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, premier message là, c'est un message qui invite nous pour capable adorer mon Dieu. Adorer pour Dieu, son seul jour d'adoration. Laissez-les bail, laissez-les convoquer la terre chaque sabbat. Donc, de même, Esaïe dit, nous dans Esaïe 66, comme la nouvelle terre que je vais créer et les nouveaux cieux subsisteront pas devant moi, ainsi subsisteront votre nom et votre postérité à chaque sabbat. Ce n'est pas à chaque dimanche. À chaque sabbat, à chaque sabbat, à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, tout tiers viendra se posséder devant moi, dit l'Éternel. Ce n'est pas dit l'exadventiste. Mais Jésus invite nous. Non, mais sa première angèle pour être capable de créer tout le monde. Pour qu'il soit parce que le jugement arrivé. Bon Dieu pas juger la terre. Et cette fois-ci, il pas juger la terre avec qui? Avec du feu. C'est avec du feu pour Dieu pas exercer le jugement. Lui. Mais il pas carrément perdu. Non, premier message là, premier angèle invite nous pour être capable d'observer le sabbat. Le fait qu'il dit, adorez-vous qui fait ciel là, terre, pieds voir sous l'eau. Ça est relatif au commandement du sabbat. Parce que dans Genèse chapitre 2, il dit, bon Dieu, fait tout bagarre en 6 jours, 7e jour, il reposer. Dans Exode 2, verset 8 à 11, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'exadventiste. Non, elle est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc depuis au monde, où reconnaître mon Dieu, c'est mon Dieu, où reconnaître mon Dieu comme créateur, où t'es dit pour capable observer le sabbat. C'est peut-être ça nous vient dire à mon lacune pour capable observer le sabbat de l'Éternel. C'est pas l'exadventiste qui évite d'observer le sabbat, mais bon Dieu, tu nous supposes observer le sabbat. Deuxième message à dire nous, sortir de Babylone. Babylone signifie confusion, amalgame de religion. Mélange vérité avec erreur pour nous pas prendre dans faux mamie. Bon Dieu dit nous, nous supposons sortir dans Babylone. Nous invitons nous, chers amis, pour que nous capables de sortir dans Babylone. De manière à ce que nous capables d'observer les commandements de Dieu. Lisez dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc ce n'est pas Adventiste souillé qui faut s'en même au Dieu. Mais quel que soit vous nous y êtes, pour aimer pour Dieu, vous devez garder ses commandements. Et le quatrième commandement qui c'est le sabbat, lui fait partie des commandements de Dieu. Troisième message à Dino. Faites attention à la marque de la bête. Dimanche après la marque de la bête. Je dis à tout le monde libre. Vous allez vivre dimanche, vous voulez. Mais depuis nous, ils ont voté une loi dans le Parlement américain. Ils ont dit tout le monde qui a obligation pour aller à l'église de dimanche. Parce que le pape parle de sabbat, mais c'est le sabbat du dimanche, ça se faux sabbat. Depuis qu'ils ont voté, ils ont dit désormais, c'est dimanche qui joue d'adoration. Ou même si vous continuez à aller à l'église dimanche, vous ne pouvez pas recevoir la marque de la marque de la bête. Je dis à nous, dimanche, il faut la marque de la bête. Mais dès qu'il y a une loi de l'État, parce que tout ça, bon Dieu exige de nous, c'est l'obéissance. Bon Dieu, parfois, c'est nous adorer. Lui invite nous par amour pour nous capables adorer. Mais là que l'État exige nous pour nous adorer, dans dimanche, si nous restons là-dedans, nous allons recevoir la main de la main de la bête. C'est peut-être ça, nous vit tout. Babylone tombe, Babylone tombe. Confusion pas tombe. Ça fait pour nous pour nous capables d'épargner en bas du moment, en bas du moment. C'est un miracle. Une fois encore, nous vivons, nous Jésus remet nous. Amen. Il remet nous, il mourit pour nous. Et il invite nous à retour pour nous prouver que nous remet, pour nous capables de garder ces commandements, en particulier le sabbat. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse abondamment. Mesdames, Messieurs, pas oublier, vous connectez avec nous sur ILM, Eden Living Ministry, Bonnet John. Nous trouvons nous à Cul du Nord, collecté dans fait une grande distribution des livres Tragédie des siècles. Événement des derniers jours, la loi du dimanche et les 10 commandements. Pas oublier programme ça, patronné par radio, télévision de soi. Bonne journée, là, capable de porter image pour vous. Nous, ici à la CUL, côté Moun la CUL, recevoir le message des trois anges. Nous avons distribué livre, Tragédie des siècles, événement des derniers jours, la loi du dimanche. On suit pour nous, on commence à elle-même. En pile, monde débarqué, nous venons dans la CUL.
pour nous capables de porter le message des trois anges. Il faut que le message des trois anges soit prêché à travers la terre pour que Jésus soit capable de retourner fort pour nous recevoir ce message-là. Nous sommes à la culte du nom, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous avons porté l'image pour vous. Nous avons montré nous ce qui a passé dans la culte du nom. En plus, le monde débarqué pour capable prêcher le message des trois anges. Responsabilité pour envahir place là, envahir l'entrée et sortir, paye dans la maison de la tragédie des siècles, paye nous la relation du dimanche, si commandement pour nous connaître que Jésus a. Fabien, vous connectez avec nous sur ILM, Eden Living, Monsieur Bode John. Nous allons lancer le troisième message à Pasteur Maurice. Nous allons écouter le troisième message qui va prononcer Pasteur Maurice. Pablo, vous connectez avec nous sur ILM, Eden Living, Monsieur Bode John. Avec ce mio, Seigneur, tu as créé nous à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas créé nous pour nous souffrir ni pour nous passer misère. Mais l'ennemi, Satan, le diable, sous forme de serpent, entre dans le jardin d'Éden et gâte toute bagaille. Mais heureusement, notre Seigneur, notre Dieu, tu as un plan de salut. Car il dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a créé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur t'a créé nous pour te vivre éternellement. Il n'a pas créé nous pour te mourir. Mais nous, ouais, péché entre et venir avec toute souffrance. Parce que ça, l'air péché, c'est la mort. En vivant avec ce mieux, lorsque petit bon Dieu, même l'homme mourir ou pas mourir ou abdormi, ou pas bref. L'homme mourir ou pas abouti. Oui, l'homme mourir ou pas abouti, monter dans le ciel, même j'en pile l'autre monde quoi. Le petit bon Dieu mourir ou coucher dans la tombe, ou attendre le jugement. Ça fait vraiment avec Samuel. Le Seigneur voit nous aujourd'hui pour nous capables de venir dans la culte du Nord, pour nous dire tout le monde que Jésus revient. Bientôt. Jésus revient. Bientôt. Pour nous préparer nous pour Jésus capable d'aller ensemble avec nous. Des conditions pour nous remplir. Donc le monde qui toujours dit, salut n'est pas facile. Donc le monde qui toujours dit, être chrétien, c'est pas difficile. Comme avec Samuel, nous tous nous avons servi, mon Dieu. Et mon Dieu qui est petit, tout partout, dans toute l'église, dans toute dénomination. Donc le petit, mon Dieu qui est fidèle. Capitaine, appelle ange là. C'est ça que fait dans le moment ça. Moi, avec nous, le Seigneur, pour qu'il nous mission, pour nous prêcher le message des trois anges. Comme avec ce mieux, pas dire toi bonheur. Pas de monde qui connaît qui est le temps, qui est Jésus à retourner. La seule chose, c'est de nous préparer nous. C'est pas ça? Amen. La préparer nous. Parce que tout le monde qui est mouru en vain, il est mouru avec l'espérance de la vie éternelle. Donc, moi, avec nous, la préparer nous. Et nous préparons la prêcher le message trois anges. Premier message en Jean, dans Apocalypse 14, verset 6 à 12, il dit que nous devons être craintes pour bon Dieu. Et bien, bon Dieu, gloire, parce que le jugement
qui arrive. Vraiment, c'est mieux le jugement arrivé. On nous crainte pour bon Dieu. On adore bon Dieu. Et pour nous adorer bon Dieu, c'est comme qui jour bon Dieu pour nous adorer. Bon Dieu va faire le premier jour, il va le septième jour. Parce que le commandement, il dit que le septième jour, c'est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Nous adorer bon Dieu dans qui jour. Le premier jour parle le jour d'adoration, mais c'est le jour que Jésus est ressuscité. En mes premiers anges ont continué de travailler. Deuxième ange a continué. Qui est le deuxième ange dit-nous? Dis-nous Babylone. Tombé. Babylone veut dire confusion. Mélange vérité avec erreur. Je prends mon son vérité. Je prends mon son mensonge. Il y a mélange. Ou par contre, qui côté pour camper? Mais frère, avec ce mieux. Vérité à ce que nous devons servir, bon Dieu. Nous devons observer les commandements de Dieu. Bon Dieu va nous dire ce commandement. Et spécialement le septième jour, donc tout le monde qui est d'accord avec toutes l'autre neuf, mais on seul a jeté. Et nous connaissons pour accepter neuf ou jeter un, c'est un pour ne pas jamais observer les commandements de Dieu. Comme avec ce mien, nous étions fidèles. Nous-mêmes qui disons, nous ne sommes pas baptistes, nous sommes le peuple de la vérité, en nous observer les commandements de Dieu, en nous respecter le saint sabbat de l'éternel. Parce que nous disons que Babylone dit tomber. Donc puisque Babylone tombait, nous ne pouvons pas passer. Non, problème. Dans l'humiliation, dans la difficulté, dans la sentence que Babylone va prendre pour nous sortir dans Babylone. Troisième ange a dit, sortir dans Babylone pour ne pas prendre Macbeth là, pour ne pas participer dans le fléau babylonien. Il y a plein de monde qui pense que Macbeth là, son soeur va le mettre sous dos, sous nez nous, ou bien sous front nous, sous main nous, dans le couille fait pour perf avec cheval en dehors. Non, ce n'est pas pour ça que la vie femme avec son yo. Pas tromper nous. Macbeth là, soit fait de jour d'adoration. Soit fait d'adoration. Sont à faire le jour d'adoration. C'est qu'on est qui joue à adorer le Seigneur. C'est qu'on est comment adorer le Seigneur. Donc qui joue à adorer mon Dieu. Comment adorer Papa qui crée le ciel là. Terre, Axus Loyo. Comme avec ce mieux. Si nous parlons, passer dans la tribulation. Pour nous pas couper ce mélange, on va verser sous nous. Pour nous pas payer conséquence avec Babylone, c'est sortir de Babylone, c'est crainte pour mon Dieu, observer les commandements de Dieu. Nous-mêmes qui attendons nous dans ce moment ça, dans la population, la culture du nord, le Seigneur voit cadeau ça pour nous. Nous vivons dans fin temps, temps fini, frère, avec ce mieux. Entrez en basel, bon Dieu. Acceptez le Seigneur. Fais ça que bon Dieu demande pour nous faire. Nous-mêmes qui connaissons la vérité déjà, on va marcher comme un copain, on mettez l'autre dans la vie nous et observer les lois du Seigneur. Frère, avec ce mieux, la Bible dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'invoquerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Nous-mêmes qui voulons le pays nous changer, nous-mêmes qui voulons que le ciel ouvert pour le Jésus tourner, pour ne pas perdre, en même temps de marcher dans l'observation de la loi du Seigneur. Parce que Seigneur sensible, c'est code sensible, bon Dieu, ça, c'est la loi de Dieu. En observer la loi de Dieu. En nous fait travail, bon Dieu. En nous été en basel, bon Dieu. Et pour ça, très bientôt, Jésus a venu délivrer nous pour retirer nous dans la terre péché ça, dans la terre souffrance ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus revient. Bientôt. Jésus revient. Bientôt. Amen. C'était le troisième message. C'était le troisième message qui était prononcé par Sœur Maurice. Papi, vous connectez avec nous sur ILM, Eden Living, M. Bollet John, nous l'avons apporté l'image pour vous. Eh bien, nous nous trouvons à la culture nord, côté qui a fait un gros travail, une grande distribution des livres, grâce des siècles, événements des derniers jours, la loi du dimanche. Nous foulons la culture. Le message des trois anges, lui-même l'a prêché à travers la culture du nord. Tout le monde est réuni pour capable faire le message là, passer à travers la ville là. En pile, monde réuni dans la culture pour capable faire le message là, passer. La culture recevra le troisième. Troisième message là, on s'est prononcé.